Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration et d'arriver soi-même. Et donc bienvenue pour une expérience slime avec des couleurs donc de vernis à ongles. Donc aujourd'hui donc ce que l'on va essayer comme je vous l'ai dit c'est donc slime avec vernis à ongles. Donc je vous montre. Oula, superbe slime. Ok, donc ça reste, ça colle bien aux parois du tube. Ok, on essaie de laisser tomber encore les restes de slime. Donc on essaie avec un peu de vernis puis on va regarder les différences. Est-ce que ça change quelque chose? Oh, c'est super comme consistance. Ok. Vraiment une slime bien rigolote. Donc voilà qu'on a là le pinceau qui est on a fait un petit motif déjà, on arrive avec un autre motif. Voilà, bon, ça s'étend un peu, il y en a un petit peu partout. Voilà, quand on fait des choses comme ça à la maison, des petites expériences, c'est bien d'avoir un support, une protection pour la table ou autre, parce que ça évite de tout, d'avoir des petits soucis pour nettoyer après. Ça facilite le tout. Allez, donc je prends ma slime. Donc j'ai mis des gants hein, parce que voilà, sinon on s'en met vraiment partout. Ça c'est important. Et puis voilà, bon bah sur la table, malheureusement j'ai pas anticipé. Mais je vous recommande de mettre une protection sur la table. Pas seulement pour les mains. Donc faisons ce mélange avec le vernis à ongles. Voilà, j'ai essayé de récupérer un peu de vernis de la table et bon bah ça laisse des traces quand même. Donc on va laisser, faut laisser du coup le vernis sécher un petit peu et puis après on peut continuer. J'ai ça, donc ça a séché. J'utilise un petit bâtonnet pour brochette ou autre, un petit bâtonnet en bois pointu. Et on peut tâter un petit peu et on voit. Voilà. Donc ça peut, on peut le travailler. C'est vraiment pas mal.
Alors on remet les gants et c'est parti. Ok, il y en a quand même un petit peu qui reste sur la table. Voilà, donc ça fait un super motif et qu'en fait quand on attend que ça sèche un petit peu, on a vraiment le motif qui reste. Pas mal du tout. Donc vraiment une expérience slime plutôt cool, hein. Vous avez vu deux possibilités de méthodes et les résultats sont complètement différents. Voilà. Donc j'espère vraiment que cette expérience vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Donc n'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et puis on se dit à très vite !